Salut tout le monde, c'est Gamer Disney. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction où aujourd'hui, les amis, pour la Star Wars Day, Star Wars a décidé de nous sortir le trailer de la future série qui sort très prochainement, Obi-Wan Kenobi, sur Disney+. Donc on va regarder le dernier trailer ensemble, Obi-Wan Kenobi, bande-annonce officielle. C'est parti, on y va. Les inquisiteurs. Stay hidden. Or we will not survive. Leave us alone. When the time comes, he must be trained. Like you trained his father. Oh. 27 mai. You still want moins d'un mois. Non. Il est là. Il est là. Darth Vader est de retour. Obi-Wan Kenobi en streaming dès le 27 mai. Et bah putain les amis. Ils donnent vraiment envie ces trailers, ces teasers, franchement. Très intéressant. J'espère qu'ils n'en dévoilent pas trop en tout cas. Alors on va pas regarder plan par plan comme on fait d'habitude. Alors. En tout cas, ça donne très envie. Hein. Bon, nous avons des troopers déjà. Je pense qu'on va s'en bouffer beaucoup dans cette série, mais pas que. Donc ils arrivent, nous parlent bien sûr des inquisiteurs. C'est vraiment la période où on massacre la période de recherche des Jedi, du massacre des Jedi. Comme on peut voir là, trois inquisiteurs. Alors on en connaît deux sur la photo. À droite, c'est le cinquième frère, j'ai pas retenu les noms, lui, le cinquième frère, je crois, je suis pas sûr, qui meurt dans Star Wars Rebels. Par Darth Maul, donc on sait que lui ne mourra pas. Peut-être que c'est lui, hein. Franchement, j'ai des doutes. Soit c'est lui, soit c'est un autre, mais je crois vraiment que c'est lui. Hein. Je crois que c'est vraiment celui dans Star Wars Rebels. Au centre, le grand inquisiteur, aussi dans Star Wars Rebels, qui meurt contre Kanan, oui, c'est ça. Donc pareil, on sait qu'il ne mourra pas. Et à gauche, je me demande, est-ce que c'est l'inquisitrice dans le jeu Star Wars Jedi Fallen Order? C'est ça la question que je me pose. Est-ce que c'est elle? Parce que généralement, porte son casque. Mais ah non, c'est pas du tout elle. Autant pour moi, je confonds avec un autre personnage. Non, je pense pas que ce soit elle. Autant pour moi. Parce que celle dans Star Wars Jedi Fallen Order, Star Wars Jedi Fallen Order, pardon, elle a son casque. Et elle se fait tuer par Darth Vader. Donc en gros, on a la découverte d'une nouvelle inquisitrice qui vont se rendre sur Tatooine pour retrouver Obi-Wan. Ça, on le sait tous. Merde. Ça va me permettre de faire un... bon, une petite pub pour le serveur Discord, je le ferai après. Autant pour moi. Restez caché, bien sûr, on parle de lui. Hein. Ouais, si, c'est lui, c'est le même sabre. Bon, par contre, j'avais dit dans l'ancienne réaction, je suis pas trop fan d'un des... du maquillage des inquisiteurs. Ça, je suis pas trop fan. Bon, lui, on le voit pas trop, mais c'était plus lui qui m'avait gêné. Bon, ça va encore lui, mais l'autre j'étais moins fan. Et puis on peut voir Luke. Hein. On a le droit à Owen Ellars. La petite remarque par rapport à Anakin Skywalker, Darth Vader. On va bouffer beaucoup d'Empire dans cette série. Hein. Et franchement, je pense que ce sera très intéressant de voir l'Empire à cette période exacte. Donc là, on peut voir, encore une fois, on va aussi beaucoup bouffer les inquisiteurs. Ah, encore une inquisitrice à gauche. On ne l'avait pas vu dans la première bande-annonce. Est-ce que c'est la 7e sœur, il me semble. Putain, j'ai pas du tout retenu les noms. Je pense aussi que c'est une nouvelle inquisitrice. Hein.
Il y a moyen aussi. Est-ce qu'ils vont mettre les inquisiteurs du jeu de Star Wars Jedi Fallen Order, peut-être? Alors, là, je me demande vraiment où est cette planète. Alors, soit c'est Coruscant, pardon, ce qui est possible, mais j'ai des doutes, donc n'hésite pas à me dire en commentaire quelle est cette planète, parce que j'en ai aucune idée. Soit c'est Coruscant, j'arrive pas à prononcer le nom, soit c'est... Non, j'ai aucune idée de quelle planète ça peut être. Découvrez les 6 épisodes, voilà. Donc là, on peut voir qu'il est vraiment en recherche. Hein. Vraiment, ça va être une série, on recherche Obi-Wan, on essaye de le buter. Que tous les criminels et tous les chasseurs de primes... Le pourchasse. Alors j'espère vraiment que les inquisiteurs ne vont pas se mettre que sur les chasseurs de primes, parce que sinon ça veut dire qu'ils sont vraiment incompétents pour devoir engager des chasseurs de primes. Mais ça va être intéressant, je pense. On va voir une facette d'Obi-Wan, de l'Empire, des inquisiteurs, une partie des chasseurs de primes. Franchement, ça va être... Je suis hypé par la série, vraiment. Je crois que c'est dans le bâtiment qu'on vient de voir ce plan. Alors, qui est ce personnage, ami? Qui est cet homme? Oh, regardez, attendez. Qui est cet homme? Ça, on n'en a aucune idée. Attendez, est-ce que c'est l'acteur qui a joué dans Les Éternels? Je crois bien, ouais, je crois que c'est lui qui a joué dans Les Éternels. Je ne me souviens plus du nom du perso, mais je crois que c'est lui. Mais je ne sais pas qui est le personnage, on verra. Hop, encore un plan. Voilà, celui du milieu, je suis vraiment pas fan. Je suis vraiment pas fan. Alors, j'ai un doute que ce soit Darth Vader, parce que si on reprend bien avant... Ah si, si, c'est... Attendez. Le bras, il me semble vraiment... Si, si, c'est lui. Autant pour moi. J'avais un doute au début, mais si, c'est lui. Tu ne lui échapperas pas, histoire bien sûr de Darth Vader. Hein. Écoutez, est-ce qu'on peut avoir des doutes sur ça? Ah là, putain. Hâte de revoir aussi Ewan McGregor, j'avais beaucoup aimé sa performance dans la prélogie, franchement. Star Wars Obi-Wan Kenobi sur Disney+, le 27 mai. Les amis, tous les trailers bande-annonce qu'on a pu voir sont vraiment très excitants, vraiment hypés par cette série. J'ai vraiment hâte de voir les 6 épisodes. J'espère qu'elle va pas me décevoir. C'est une série que j'attends, j'espère vraiment qu'elle sera à la hauteur de The Mandalorian, une très bonne série Star Wars. N'hésitez pas à me dire si vous avez remarqué des choses que je n'ai pas vues, si vous avez des choses à ajouter en commentaire, ça fait toujours plaisir. Si la vidéo réaction vous aura plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à activer la cloche et à rejoindre le serveur Discord de tout à l'heure, The Land of Dream, où on pourra même parler de ce trailer. Le lien est dans la description. Et moi je vous dis, bye bye tout le monde!